but. Salut! What's up tout le monde et bienvenue au live UBC. Salut Jordan. Sylvie, ça va Sylvie? Ouais, ça va et toi? Ok, cool, ouais, je te sens moi là. Ok, bah ouais, ça va. Bienvenue à tout le monde pour notre première classe en français de boxe en live, en direct. Ça va être bien là, j'ai hâte de vous voir. Premier cours en français! Vas-y, comme! Let's! C'est ça, là, on va leur montrer c'est quoi. Et puis, bah, merci, merci d'être venu avec nous. Aujourd'hui, on va faire que poids du corps, c'est ça. Alors, yes. Pas beaucoup d'équipement. Juste assurez-vous d'avoir assez d'espace dans votre appartement. Assurez-vous d'avoir aussi une bouteille d'eau, une serviette et un matelas si vous l'avez. Sinon, pas. un tapis de sol. Ouais, c'est ça, un tapis de sol. Et si vous n'avez pas, bah, juste le parquet, ça suffira. Peut-être une serviette. mais c'est ça, alors on va travailler en intervalle. On va faire des intervalles sur les exercices. Alors, on va vous montrer aussi des exercices de modification que vous pouvez faire. Mais essayez de suivre le plus longtemps que vous pouvez. Essayez de suivre jusqu'à la fin, comme on le fait. Et puis, c'est ça, puis on se rejoint à la fin. Puis on va discuter un peu de l'entraînement. Et puis, des entraînements. Et puis, voilà, c'est ça. Bah, c'est cool. Super, moi, je suis là. Moi, je peux y aller à fond, Jordan. J'ai envie de transpirer, j'ai envie de. Tu vois ce que je veux dire? Je donne cet entraînement, je veux qu'à vous. C'est bon là, moi aussi là. Bon, les jambes elles sont prêtes. Et si vous n'avez pas, Sylvie, c'est une experte du bas du corps. Alors, t'inquiète pas que là, j'ai bien préparé mes jambes mentalement pour cette journée là. Et voilà. Et puis, ouais, demain... en plus, c'est samedi donc tu vois, demain, tu prends bien repos. Parce que je pense qu'après ça, tu vas te dire non, là, aujourd'hui. Ouais, là, c'est ça. C'est bien qu'on a fait ça. C'est bien qu'on fait ça pendant le week-end, c'est ça. Comme ça, au moins demain, petite journée relax. Et voilà. Ok. Là, t'es prête là? Moi, je suis là. Moi, je suis chaude là. Chaude, moi aussi. Représenter le PSG en même PSG, temps. PSG, let's go, Paris. Yeah. Et pour les autres Français, bah, on est là quand même avec vous. On saute. Ok, bah, on va commencer comme on commence toujours avec des petits jumping jacks. C'est ça, ok. Alors, avec l'espace, on va commencer dans 3, 2, 1, let's go. Jumping jack. Alors, quand vous faites du jumping jack, assurez d'avoir des bras qui montent juste au-dessus de la tête. Vous êtes toujours sur la pointe de vos pieds, sur vos orteils. Okay, on va faire 3 différents sets de jumping jack en 15 secondes chacun. Et les prochains, dans 5 secondes, on va changer au prochain. Sinon, jumping jack vers l'avant. Donc, c'est 3, 2, 1. Allez, on change vers l'avant. Jumping jack. Toujours. Sur la pointe des pieds. Ok. Alors, rappelez-vous, c'est début des exercices, c'est l'échauffement. Alors, il faut prendre son temps, de prendre des bonnes respirations. En 5 secondes, on va faire des jumping jacks en 3 temps. Croisez les jambes, croisez les pieds. 3, 2, 1, let's go. Croisez les jambes, croisez les pieds. En même temps, un petit étirement de la poitrine avec l'extension des bras. Et toujours une respiration. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Alors, toujours sur la pointe des pieds, on va bouger nos épaules vers l'avant. Grosse rotation vers l'avant des épaules. Toujours sur la pointe des pieds. On est des boxeurs, hein. Alors, c'est toujours sur un rythme, un peu de boxe. On sautille. Et. Vers l'arrière, encore, en sautillant sur la pointe des pieds. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Et là, on va faire vite fait juste des montées de genoux pour
monter la circulation, ok, vite fait, pendant 10 secondes, c'est tout, juste 10 secondes, juste pour monter un peu la circulation. Après Sylvie va nous faire un peu d'étirement, on va apprendre aussi des mouvements de base de boxe, et après ça, on va y aller en intensité, allez, 3, 2, c'est bon, le cœur, il a monté d'un cran. Là, on est prêt là, pour un peu d'étirement. Alors, à toi, Sylvie. Voilà, on va faire un petit peu d'étirement. On va étirer les articulations pour bien se préparer à tous les mouvements qu'on va faire pendant l'entraînement. Et alors, on va commencer par le haut du corps et on va descendre graduellement. On commence par la nuque. Et ce qu'on va faire, c'est un mouvement tout simple, on va étirer la nuque, on va tout en haut, on regarde le plafond là, et on descend tout en bas pour regarder le sol. En haut, en bas, on fait quelques répétitions comme ça, et ensuite on va à gauche et droite, gauche et droite. On veut retirer toute la tension qu'on peut avoir au niveau des articulations, et on va aller faire un tour de nuque. Faire des petites rotations, on va être sûr que cet entraînement se passe au mieux. Super. On va continuer avec les épaules. On les a bien étirées. On va ouvrir les bras. Pour côté, on va faire des cercles, des grands cercles. Et pensez bien à avoir les abdos serrés et une position au sol, poussée sur les talons. Pour bien se stabiliser, on va aller dans l'autre sens maintenant. Voilà, super. Et on va finir avec des mini tout petits rotations. Voilà. Et dans l'autre sens. Génial. Super. Des poignets ensemble. On va faire des rotations au niveau des poignets. Parce qu'on va être. Des petites choses qui vont se passer au sol aussi. Hein. Donc, on va être sûr que. Les gainages et tout ça, on met la pression sur les poignets, mais aussi sur les épaules, donc que ce soit bien frais. Super, on va écarter les jambes, et on va les garder droites, on veut étirer, on veut bien étirer ça derrière, on va pousser les hanches derrière, garder les jambes droites, et on va laisser le tour du corps bien retrouvé. On va garder la position pendant 5 secondes, 3, 2 et 1, et on va aller sur le côté droit. On va apporter tout le corps entier sur le côté droit, bien garder la jambe droite. Et on va aller côté gauche. On y va, on étire. On va attraper les doigts de pied, le talon. Ce que tu peux attraper en fonction de comment tu es flexible, peut-être c'est ta cheville. Mais on y va. Garder la jambe droite, super. On revient, on monte, on va mettre les mains sur les hanches. On va faire des rotations de bassin. On va tout devant, côté, tout derrière. Devant, côté, derrière. Et on étire bien tout ça. Super, on va aller dans l'autre sens. Génial. On va placer les mains sur les genoux. On va faire la même chose, on va faire des rotations au niveau du genou. Les genoux, comme on va faire pas mal de... Il y a quand même pas mal de sauts, donc voilà, l'impact, on va essayer de faciliter ça. Et on va finir avec les chevilles. Chevilles importantes pour la stabilité au sol. On veut bien qu'elles soient échauffées. On veut bien attraper le sol, rester bien. Surtout quand ça va faire le bas du corps. Bien préparé, voilà. Génial! On remue tout ça! Allez! Et on est prêt! Ok, c'est bon! Alors, vous êtes bien échauffé, vous êtes bien étiré. Maintenant, on va apprendre un peu des mouvements de base de boxe. Je sais pour la plupart de vous, la terminologie, des fois, vous êtes. Déjà, il y en a beaucoup qui sont débutants. Alors, je vais vous apprendre un peu la terminologie et aussi les mouvements de boxe. Alors, on va commencer là-dessus. Ceux qui ont un peu d'expérience avec la boxe, là, vous pouvez juste aller directement sur faire du shadow boxing.
Et sinon, si vous avez des débutants, bah, on va commencer par trouver notre écart de boxe. Alors, comment trouver votre écart de boxe? Vous allez garder vos pieds directement en dessous de vos épaules. Okay, alors, vos pieds sont directement en position en dessous de vos épaules. Pour votre côté dominant, alors moi, j'écris avec ma droite, mon côté dominant, c'est ma droite. Alors, je vais laisser la droite vers l'arrière et je vais prendre un gros pas avec le côté opposé dominant. Okay, alors, ça veut dire que pour moi, puisque j'écris avec ma droite, c'est ma gauche. Alors ça, ça va être mon écart en 45 degrés, dans un angle de 45 degrés. Les pieds ne sont pas tout droits ici, je ne suis pas une statue égyptienne. Je suis juste sur le côté ici, ok. Mes bras sont à côté de moi, mes coudes à l'intérieur. Je plie un peu d'ici du dos et après mon cou et mon menton sont vers le bas. Mon côté dominant encore, et pour moi c'est ma droite, et contre mon menton, contre ma mâchoire ici. Et mon côté avant, et ben, c'est à peu près 30 cm de ma tête. D'accord? Au niveau et mon poignet et au niveau de mes yeux. D'accord? Alors ça, c'est votre écart de boxe. Ça, c'est votre position de boxe. Alors, les premiers coups qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est les coups directs, le jab et la droite, le cross. Ok, comme il dit ça en anglais. Alors, jab, droite. Jab, droite. C'est les coups directs. Alors, on va les faire pendant 30 secondes, sans arrêt. Vous allez m'écouter. Ok? Et après, vous allez ajuster. Et on va y aller avec rapidité, mais rappelez-vous, si c'est votre première fois, juste faites-le lentement. C'est plus important d'apprendre une bonne technique que de faire rapidement et de faire n'importe quoi, ok? Allez, 3, 2, 1, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Avec des coups directs, ok? Gardez votre écart de boxe, rabattez votre poing jusqu'à votre tête, ok? Et puis encore, si vous avez de l'expérience avec la boxe, bah, vous pouvez y aller sans arrêt, tout droit, direct, ok, avec de la rapidité, voilà. Et Sylvie, tu peux bouger un peu vers la gauche ou vers l'arrière, comme ça tu es un peu plus au milieu, s'il te plaît. Voilà, merci, comme ça je te vois un peu là. Parfait, voilà, c'est ça. Alors suivez Sylvie, si vous avez d'expérience en boxe, allez essayer d'aller aussi vite que elle, et sinon, bah, prenez votre temps, et puis ajustez votre technique. Allez, 3, encore 3 secondes, vite, 2, 1, et c'est bon, ok. Maintenant, les prochains coups, on va prendre les crochets, c'est ça. Restez comme Sylvie, elle fait championne de boxe comme elle est. Elle sait qu'il faut toujours rester prête à y aller. Alors, restez toujours en sautillant sur votre écart de boxe. Alors, les prochains coups qu'on va prendre, c'est les crochets, ok. Alors, les crochets, vous avez un angle de 90 degrés avec votre bras et vous allez surtout tourner des hanches et tourner des genoux. Ok, rotation des hanches, rotation des genoux, en même temps, vous allez envoyer les crochets. Ok, allez, on va commencer dans 10 secondes, on va y aller avec une bonne rapidité. Si vous avez de l'expérience encore, allez plus rapidement que vous pouvez. Et si vous débutez, bah, prenez votre temps, apprenez la technique. 3, 2, 1, allez, 30 secondes, 30 secondes. Crochet sans arrêt. On va faire des crochets à la tête. À chaque fois, votre bras est en 90 degrés. Ok, la paume des mains, quand vous envoyez vos coups, elle est vers le bas. Et rappelez-vous, rotation des hanches, rotation des hanches, rotation des genoux. On y va. Encore 5 secondes. Rapide maintenant. 4, 3, 2, 1. Bien. Alors c'est bon, on a pris les directs, on a pris les crochets. Maintenant c'est pour les hypercutes. Alors les hypercutes, on va les utiliser. Ils vont venir des jambes. D'accord? Alors on va monter en même temps que on fléchit nos jambes au début. Après ça, on va garder nos poings ici et en même temps qu'on soulève. En même temps, on va soulever avec notre hypercute. Et on va redescendre de l'autre côté et on va soulever l'hypercute. Allez, 3, 2, 1, on y va. C'est ça. Hypercute, on utilise toujours d'apprendre les bases de boxe comme notre échauffement. Ok ? Parce que comme ça nous prépare physiquement et ça nous rappelle les bases qui sont très importantes à continuellement pratiquer pour s'améliorer et on l'utilise comme échauffement. Alors si vous avez l'expérience, je veux un peu de rapidité sur vos coups,
un peu de puissance sur le cou aussi. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Cool. Ok, c'est bon. Alors, vous avez appris un peu les mouvements de boxe, un peu la terminologie, les coups directs, les crochets, les uppercuts. Maintenant, on va passer au niveau, à la deuxième vitesse là, au niveau au-dessus. On va faire un peu de haute intensité. Alors, ce qu'on va faire, c'est 45 secondes à fond, 15 secondes de repos. Alors, pendant les 15 secondes, essayez de prendre des grandes respirations. Et pendant 45 secondes là, c'est comme des sprints, on y va à fond, à fond, à fond. Et encore, si le rythme il est trop élevé pour vous, essayez juste de faire les mouvements en modification et surtout essayez de ne pas arrêter ou de continuer le plus possible que vous pouvez. D'accord? Ok. Sylvie, t'es prête? Je vais même pas te le demander, je sais déjà. Alors à la maison, tenez-vous prêts. On va commencer avec des montées de genoux et montées de cou. Ok, montées de genoux, montées de cou en même temps sur place. Allez, on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. 45 secondes. Intense. 15 secondes de récup. Et on y va. À fond, à fond, à fond. À fond avec les coups. À fond avec les genoux. Le plus haut que vous pouvez. Les coups peuvent être juste au-dessus de la tête. Au niveau du tronc. Plus on peut. La tête, c'est bon. Et les genoux, même chose, vous pouvez monter les genoux juste au niveau des hanches ou vous pouvez à la moitié, mais du moment que c'est rapide, c'est bon. On y va encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, on pousse, 1, et c'est bon. Parfait, c'est bon la première. Le prochain, on va faire coup direct. Levé de genoux, levé de cou, et cette fois-ci avec une fente vers l'arrière. Alors, fente vers l'arrière, levé de genoux, levé de cou, le genou qui monte, c'est le cou opposé. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Levé de genoux, levé de cou. Allez, fente vers l'arrière, voilà, c'est ça. Fente vers l'arrière, et on lève. Le genou vers l'avant, on lève le pied jusqu'en haut de notre geste. Prendre vers l'arrière, gardez les abdos contractés, respirez, prendre, vous montez. On y va encore pendant 15 secondes avec ce côté-là, changez pas de côté. Pour l'instant, juste cette jambe-là. Allez, 5, 4. 3, 2 et 1. Ok, c'est bon. N'inquiétez pas, on va faire l'autre jambe plus tard. Alors, le prochain, ça va être 4 crochets. 1, 2, 3, 4. Et après, 4 levées de genoux vers le sol. 1, 2, 3, 4. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. 4 crochets vers le haut. Et puis 4 montées de genoux. 1, 2, 3, 4. Et on monte. 1, 2, 3, 4. Hop là. 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous les crochets. Après tout, les rotations des hanches sur le crochet. Rappelez-vous votre position de boxe avec vos poignets directement en avant de votre tête. On y va. Encore 15 secondes. C'est ça. Bonne respiration. Bon gainage. Les abdos, vous avez 5, dernier, 4, 3, 2, et 1. C'est bon. Je prends la fuite, on se voit dans 10 ans. Prochain. Uppercute. Alors, on va aller uppercute en vitesse. Ça veut dire que vous allez ici avec des petits mouvements avec les jambes. Ok, en shuffle. Alors, 3, et puis les uppercutes, bien sûr. 2, 1, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Uppercute en rapidité. Voilà. C'est ça. Vous avez des petits cercles avec les uppercuts. Si vous arrivez pas, ou si vous débutez juste en boxe, c'est normal. Les uppercuts, c'est un peu compliqué. Alors concentrez-vous sur être en position boxe et puis juste sur le mouvement rapide de vos jambes. Juste là. Allez, là on pousse cardio. C'est ça. Mais si vous vous sentez confortable, vous voyez soit des petits coups, des uppercuts. Vous voyez, c'est vous qui décidez. Garde, uppercut, petit coup. Vous avez encore 10 secondes, encore
Et 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Okay. Prochain, encore des hypercutes, cette fois-là avec des squats. Et ces hypercutes-là, ils vont être un peu plus profonds avec les jambes. On va descendre. Ok, une jambe entre les genoux. Et là, paf, et deux coudes entre les genoux et hypercute en montant. 3, 2, 1, on y va. Hypercute en montant. Voilà. On descend. Et on explose. En explosant et en envoyant le cou, on expire. Voilà. Bonne expiration. Vers le haut avec l'explosion. C'est ça, prenez bien votre temps. En descendant et puis accélérer avec l'explosion. On y va tous ensemble là. Encore 10 secondes sur celui-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh. Ok, très bien. On est à la moitié du premier, la première session là. Ok, je vais vous donner un peu de temps de break. À la place de 15 secondes, je vais donner un extra 15 alors. On va prendre 30 secondes là, et après on va recommencer avec les mêmes exercices, les Heidi, les montées de genoux, montées de cou et tout ça. Ok, on y va dans 7, 6, le premier exercice encore, c'est montée de genoux avec, en vitesse et montée de cou en vitesse. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, montée de genoux, montée de cou, on y va. Vitesse, c'est là qu'on brûle. Et là vous savez le mouvement. Il n'y a pas de temps à perdre. On y va. Plus rapidement qu'on peut. Plus d'énergie qu'on peut. Vous laissez le mouvement encore. Vous savez qu'est-ce qu'il faut. C'est une bonne respiration. Pour enlever de genoux, pour enlever de cou. Et on y va à fond. Allez, 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 allez. Allez.
Sylvie, c'est à toi de les achever là. De tuer les jambes là. Ouais. Là c'est l'attaque missile directement aux jambes. Non mais ouais, mais là-bas c'est beaucoup de jambes, hein, donc tu vas être sûr d'avoir de bonnes jambes, non seulement pour la force mais aussi pour le mouvement et la résistance qu'on fait beaucoup à la boxe. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'on fait cette partie de jambes, parce que c'est vraiment important pour s'améliorer. Et c'est qui veut avoir des jambes tout net, c'est que tu vois ce que je veux dire, on veut pas, je veux pas avoir des cure-dents moi, mais c'est sûr avec des entraînements j'aurais pas les cure-dents, hein. Tu connais. Mais ma stock, exactement, on veut tout le pouvoir, la force qui vient de ses jambes et qui remonte et qui sort dans les c'est coins. Ça, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est ça, il y a beaucoup, les gens ils pensent que la boxe, tu sais, il faut avoir les gros bras, mais voilà, c'est pas les gros bras, c'est les grosses jambes qui vont faire que t'as une vraie patate. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc on va faire 5 différents exercices pour le bas du corps. Okay. Donc Jordan, moi je compte sur toi pour prendre le temps. Ouais. Et on va commencer tout de suite. T'es prêt? Ok, je suis prêt. On est chaud là, on est chaud. Chaud. On est parti là, dans 10 secondes. Tu fais la démo et puis moi je commence, dès que t'es prêt. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un sumo squat. C'est quoi le sumo squat? C'est un squat en général, le squat, la position des pieds, elle est en dessous des épaules, mais là on va ouvrir un petit peu plus large et on veut que les doigts de pied en fait ils pointent vers l'extérieur. Donc c'est ça un sumo squat. On va descendre tout en bas en fonction de la mobilité et des hanches, comment elles sont ouvertes. Si tu t'arrêtes là, c'est bon, mais si tu peux descendre en bas comme moi, hein, les fesses au sol. Vas-y, on monte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le genou opposé, au coude opposé, et on va travailler ses abdos. Ok? On veut bien les travailler. Pourquoi? Parce qu'à la boxe, on est souvent dans une position où la zone abdominale, elle est bien aussi concentrée en plié. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est... Même si on se prend des coups au corps, on veut que ce soit dur. Voilà. Solide. Exactement. On va commencer. Sous un squat, tout en bas, on monte, genou opposé, on redescend. Ok, c'est bon. 3, 2, 1, on y va. On voit bien les jambes et on veut tourner le haut du corps. Vraiment, on veut des abdos, on tisse le genou. Et c'est comme si que tu mets un gros coup de genou à la personne qui est à côté de toi.
on pousse bien sur le talon pour qu'on monte sur le squat. On reste sur les talons. La finition. Les jambes, on va tout faire. Sur l'arrière. Et on respire. Respire. Expire. Ha. Eh, hey, c'est bon. J'ai plus oublié là, mais là c'est bon là. Encore 10 secondes pour le prochain là. Le mouvement numéro 2, c'est un burpee et un squat. Comment ça se passe? On saute, on saute vers l'arrière, on atterrit en squat, donc c'est dans cette sumo position, position comme on avait dans notre mouvement numéro 1. On la garde, on serre bien les fesses en haut et on saute. Gardez cette même position. On arrive derrière, bam. Allez, on y va, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. On y va. Bam, bam. Gardez bien la position. Large entre les jambes. Les portées sont pointées vers l'extérieur. On atterrit sur le talon. On saute, on trouve la force avec les doigts de pied. On écarte bien les mains au sol. On fait du long gainage comme il faut. Allez, reste là, là. Encore 10 secondes. On va sauter en plus. 5, 4, 3, 2, 1. Mouvement numéro 3, on va faire une crampe en diagonale. On va faire face. On se tient bien droit pour commencer. Et ce qu'on va faire, on va mettre la jambe derrière. Et on va aligner le genou avec le talon pour opposer. Et on revient. On aligne, on revient. Et on alterne les jambes. Ok, c'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. Faut bien serrer les abdos quand on descend. Il faut faire un grand pas derrière. Parce que c'est là qu'on va aller chercher la puissance des jambes. Plus on recule derrière, plus l'effort est demandant. Pousse bien sur les talons quand tu montes. Serre les abdos pour t'aider à contrôler le haut du corps. On laisse les jambes faire le travail. On va chercher loin derrière, on revient. À chaque fois, on revient en face. Allez, encore 10 secondes, encore 10 secondes. 10 secondes, on y va, on tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Alors, génial. Mouvement numéro 4. On va se mettre dans une position de squat. Et ce qu'on va faire, on va faire des pas latéraux. Alors on va garder cette position ici. Et on va faire 1, 2, et on revient 1, 2, tout en restant en bas. Ok? C'est bon. Ici, on ne veut pas monter les fesses. On veut vraiment garder cette position et faire nos petits pas sur le côté. C'est bon, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, pousse, pousse sur le côté. Et tu reviens. Bam! Comme une danse. 1, 2, 1, 2. Le travail. Ah, là, on va tenter les jambes. On travaille la résistance. Poussez bien les hanches derrière. On n'arrête pas. Allez, on est passé mi-chemin là. Allez, on continue. On pousse, on pousse. On balance les jambes super fort. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Yeah, super, super, génial. On continue. Mouvement numéro 5. Tout à l'heure, on a travaillé la fente arrière. Cette fois-ci, on va faire une fente avant. Quand on va faire notre fente avant, un grand pas devant, on arrive et on va monter le genou au torse. Ok?
bam, je descends, on monte, on trouve le momentum avec les jambes et la puissance de la jambe arrière et la puissance de la jambe devant pour se pousser vers l'arrière et monter sur le dos. Quand on monte le genou, on sert bien les abdos. Voilà. Allez, c'est bon. 3, 2, 1, on y va. On y va, on garde la même jambe. Là, devant, grand pas devant, monte, contrôle avec les abdos. Grosse question d'équilibre ici. Quand on fait des mouvements minimaux. Bien. Yes. Allez, on continue. Les Parisiens, on est là, on représente. That's it. On peut faire des jambes comme ça, non? Beaucoup ça marche, ça. C'est pas qu'à la boxe, hein. Beaucoup ça va marcher, ça. Ouh. Allez, encore 10 secondes, là, 10 secondes. C'est bon, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Un grand squat, tout en bas, bam, je monte le genou, tourne. Tourne le genou, tourne. Serre les abdos. Et maintenant, on pousse sur les talons tout en haut. Et on expire sur le haut. Inspire, expire. On descend bien, on se serre les jambes pas du haut du corps. On descend, on bien. Encore 10 secondes là, 10 secondes, on y va. Hop. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wow. Génial, je sens mes jambes. Mouvement numéro 2, c'est un squat burpee. On garde toujours en tête cette position de large squat, de small squat. On saute, on se met dans une position de gainage. On tient sur les mains, on saute vers l'avant et on saute en haut. On y va? C'est bon, 3, 2, 1, c'est parti. Bam! Et quand on atterrit sur le bras pied, hein, pour que ce soit bien doux la terre, mais que la puissance, elle commence à monter de la pomme. On atterrit et on y va. On va sentir la puissance dans les jambes au niveau du saut. Allez, presque là, 10 secondes, 10 secondes. On allez, 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 on continue. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Wouh, super. Ah, mouvement numéro 3, c'est les fentes en diagonale, les masquers. On positionne bien la jambe derrière, comme on peut. Vraiment, on veut aller en profondeur. On va vraiment chercher la puissance dans ses jambes. On veut les travailler. On veut qu'elles deviennent plus fortes. Plus bien. Bon, 3, 2, 1, on y va. Bam. On aligne le genou opposé avec le talon. On descend bien. On retrouve cette puissance pour remonter. On contrôle avec les abdos. On peut s'aider avec les bras. Sinon, on prend les bras. On peut aussi garder la position de garde en boxe. On est là. On vient pousser sur le talon. Là, on vient
là. Encore 10 secondes. Allez, on continue. 5. Allez, 3, 2, c'est bon. Surtout, faut bien manger après ça, faut bien boire, de l'eau bien sûr, et puis voilà, une petite relaxation. Mais avant qu'on finisse, une petite session d'abdos. Oh yeah! Ouais, comme d'hab, on va finir avec une bonne série d'abdos. Encore 45 secondes chaque, avec 15 secondes de récup. Et après c'est ça, mais t'inquiète, on a fait le plus dur là je crois. Là il faut juste maintenir jusqu'à la fin et puis on sera bon. Et puis franchement, merci à tout le monde de rester avec nous jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas facile et pour pas mal de vous, c'est assez nouveau. Alors, respect. Respect. Respect, c'est ça. On est là tous ensemble. Alors, le premier qu'on va faire, on va faire monter le genou, monter le cou. En même temps, vous allez monter le pied opposé. Ok? Vous allez envoyer votre cou. Toujours, on fait de la boxe, hein? Cardio, boxe, tout ensemble. On pratique notre technique. Alors, ici, on va changer de pied à chaque fois. Et assumez d'utiliser vos abdos. Si vous avez de la difficulté à monter vos pieds ou monter votre jambe, il n'y a pas de souci. Juste restez avec les jambes. Droit, et puis ça sera bon, d'accord? Alors, on y va pendant 45 secondes, non-stop. On commence dans 5, 4, gardez les épaules hors du sol, 3, 2, 1, c'est parti. 45 secondes, 15 de récup. On y va, on travaille sur les abdos. Maintenant, l'intensité, on va la diminuer un peu, et on va essayer de garder l'effort. Pareil,
on va la mettre sur le gainage des abdos, la concentration complètement sur le milieu du corps. Allez, on y va. On va passer la nuit là. Encore 20 secondes qui restent. Posez votre jambe, gardez-la toute droite. On y va. On a encore 10, 9, 8. Vos pouces tout droit. Vos respirations toujours bonnes. 3, 2, 1, et c'est bon. Ok, on va garder sur les coups directs. Maintenant, on va fléchir les jambes, les pieds plats au sol. On va faire des crunchs ici et les coups directs au milieu de nos deux genoux. D'accord ? Alors, au milieu des genoux, je suis là, crunch et j'envoie ma patate. 3, 2, 1, go, please. Une pêche de la droite, une pêche de la gauche. Et on continue comme ça. Ouf. On alterne à chaque fois. La pêche, il y a 3. Voilà. Hey. Respirez avec vos coups. Tournez les épaules avec vos coups aussi. Tournez les épaules. Engagez tous les abdominaux. On y va. On a encore. Et derrière, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. C'est bon. Ok, prochain, on va faire les crochets maintenant. Alors, les crochets qu'on va faire, on va faire encore monter. On va crocher sur le côté. Et en même temps, vous en recrochez, tournez sur le côté. Allez, 3, 2, 1. On alterne la jambe, on va crocher sur le côté. En même temps, on tourne les abdos, le buste. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On sait, c'est pas facile, mais les résultats, ils seront là si on pousse trois, si on pousse bien, et surtout si on pousse jusqu'à la fin. Allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Alors, on l'a fait direct, on l'a fait les crochets. Maintenant, uppercut. En dessous des jambes, on va aller sur le côté. Alors, encore, les jambes sont fléchies. Sur le côté, on va en dessous, uppercut. Et on alterne deux bras à chaque fois. 3, 2, 1. C'est parti, uppercut. Du côté, on essaie d'avoir notre poignet à la même hauteur que nos genoux, notre cou au niveau du genou. Kings. Allez. Encore sur les abdos. Forcez. On y va. On a passé la moitié là. On a passé la moitié de cet exercice. On a encore 15 secondes. Essayez de pousser avec le plus que vous pouvez. On y va, on y va. Aïe, ah, encore 7, 6, pousse, pousse, pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Et dernier exercice. Comme d'hab. Comme tous les Français le savent. La bicyclette. Tous ensemble, on va. Côté opposé, genoux au coude opposé. On va courir le vélo jusqu'à la fin. On va voir qui va gagner avec le maillot jaune. Tour de France, on y va. 3, 2, 1. Ah. Allez là, c'est la fin. Dernier exercice de la journée. On va traverser la ligne. Tous ensemble à la fin. On va tous gagner le maillot jaune là. Ok? Mais. Vous pouvez aller tous ensemble jusqu'à la fin, le plus rapidement qu'on peut. Vite, 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 vite. Pousse, pousse, pousse. Rappelez-vous, là, c'est le dernier. Vous avez bien mérité votre coco. Et là, vous continuez à forcer. On a encore 15 secondes. Allez, pousse, 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 pousse. Bonne respiration. Ah. Allez, vous poussez mentalement, vous poussez physiquement. Encore 7, 6, 5, allez. La ligne de fin. Un autre but. 3, 2, 1. Wouh! J'ai gagné! C'est bon.
Ah, moi je tire un petit peu là. Ah, oui. Ça fait du bien ça. Les abdos, ils sont. Oh. Ils sont courbaturés là. Ah, ouais, là, les abdos là, ils sortent super bien là. Oh, t'as vu ça? T'as vu ça? Vous avez vu ça là, les abdos? C'est ça qu'il vous faut. Et il faut que vous allez y arriver, je vous fais ça tous les jours là. Tous les jours, la bicyclette. On est là tous les jours. On fait les exercices en live sur notre plateforme UBC. Il y a aussi Sylvie qui fait ses workouts tous les jours. Sur sa page Instagram, vous allez trouver plein d'infos. On est là. En anglais, en français, on y va. C'était pas facile aujourd'hui, ça c'est sûr. C'était pas facile. Et surtout pour vous qui étiez débutants, si c'était votre première fois de faire de l'exercice depuis longtemps et vous avez duré jusqu'à la fin, vous avez mon respect parce que c'était pas facile. Et ouais. T'inquiète. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis ça s'améliore comme tout, tu vois. Le plus qu'on s'entraîne et qu'on mange bien, c'est tout un lifestyle. C'est ce monde en santé, il faut manger bien, il faut s'entraîner tous les jours. Ou moi, je dirais au moins 3 fois par semaine pour garder une bonne forme. C'est souvent qu'est-ce qui est conseillé. Et puis, bah, nous, on est là tous.